You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? You look good. A little rough around the edges, but good. Heard about a job. Big shot gangster putting together crews i'm a driver and i'm a flyer i waited a long time for a shot like this what do you think no what do you know you got a line on ship yeah no guy he's the best smuggler around i heard a story about you i was wondering if it's true everything you've heard about me it's true <laughs> L3! Let's go of the mean man's face. Hey are these guys. If you come with us, you're in this life for good. Might wanna buckle up, baby. Here they come! Let me give you some advice. Assume everyone will betray you. And you will never be disappointed. I got a really good feeling about this. When do you know how to fly? Mm -hmm. You're 190 years old? Mm -hmm. You look great. Mm -hmm. Watch it. Oh. Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR Aujourd'hui nous avons eu le nouveau trailer de Solo Star Wars Movie On va regarder ça rapidement, analyser tout ça, donner notre avis Donc le voici enfin le deuxième trailer à un mois quoi du, de la sortie du film C'est quand même assez étrange mais bon on y est. Est-ce qu'il était, est-ce qu'il était bon Bon, le trailer est clairement, on peut déjà l'avouer, clairement meilleur que le premier. Un très bon trailer dans l'ensemble. Est-ce que ça me donne la hype énorme de voir ce film Pas énormément. Encore une fois, je suis du même avis qu'avant. Euh, J'ai pas vraiment de à ce niveau-là, j'ai pas aucune attente, ben, j'ai aucune attente et je, je pense que la plupart d'entre nous ne devraient pas avoir d'attente, tout simplement parce que si le film est bon, eh bien, il va être encore dix fois plus apprécié par la communauté, et s'il est mauvais, eh bien, au moins, on ne sera pas énormément déçu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas y aller, bien sûr, je vais y aller dès le jour 1, ça me fait plaisir, c'est quand même un film de Star Wars à ne pas manquer de toute façon. Mais, mais voilà, le, le trailer était bon, le trailer était vraiment très bon, ça peut nous donner un film qui va être bien apprécié en général. Moi personnellement, j'avais aucune attente pour Rogue One, et quand j'ai vu le film, j'ai adoré. Bien sûr, c'est mon opinion personnelle, mais voilà, on peut être très très surpris avec Solo, mais bon, on verra tout. Euh, dans un mois quand le film sera sorti. Personnellement j'ai encore un peu de misère avec euh, l'acteur de solo, bien sûr, je pense que la plupart des, des personnes sont de mon avis, mais, mais bon, euh, il peut faire un euh, très bon travail de toute façon. Et euh, c'est triste parce que l'acteur de, de Lendo, alors là lui j'ai super hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Lendo. Chewie mon Dieu, Chewie, on, on, on l'aime Chewie. Ça c'est cool, en savoir plus sur Chewie, comment il, il a été sauvé par Solo. ça va être très intéressant de découvrir ça, c'est sûr. Mais j'ai toujours de la misère avec Solo et c'est son film. Donc ça, ça reste à voir. Donc voilà, oui, je vais clairement aller le voir et j'espère sincèrement qu'il sera un bon petit film à se taper. Je croise les doigts pour ne pas que ça soit un gros flop. Mais voilà, on peut être surpris et j'espère qu'on va l'être. Donc comme j'ai dit plus tôt, je ne vais pas vraiment analyser le trailer. Il n'y a pas vraiment grand chose de vraiment incroyable que l'on ne sait pas déjà. Bon. On voit des nouvelles scènes du méchant qui est une, qui est une femme d'ailleurs. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous le savez, mais le méchant est une femme. Vous devez aussi savoir que les premières secondes du trailer francophone ne sont pas les mêmes que celles du trailer anglophone. En effet, parce que dans elle du trailer anglophone, il y a le logo du festival de Cannes, donc ça cache l'image du Star Destroyer qui se fait construire, qui est une fantastique et magnifique image à voir. C'est très dommage d'ailleurs qu'ils ne l'ont pas mis. Donc vous la voyez en ce moment euh, dans le fond. Donc euh, voilà, c'est une image, une image supplémentaire qui n'est pas présent dans le trailer francophone. D'ailleurs, je pense que cette planète est Corelia, une planète. Ben, c'est la planète où Han Solo est né et une planète que j'espère voir dans ce film énormément. J'espère sincèrement que c'est celle-ci parce que j'attends de voir cette planète depuis très très longtemps et ça serait fantastique que ça soit bel et bien celle-ci. Pourquoi je pense que c'est Corelia parce que Corelia. Et non seulement la planète d'Han Solo, mais en plus, c'est là où il faisait et euh, il, il construisait des vaisseaux impériaux. On voit la même chose dans le trailer, du coup, je me dis que c'est peut-être lié. Ensuite, autre scène que l'on peut remarquer, c'est l'Endo à la table de jeu euh, dans, cette, dans cet endroit où il y a plusieurs espèces d'ailleurs. On y revient dans deux secondes. C'est là où, bien sûr, Han Solo va gagner le faucon Millenium, mais ça, on l'avait déjà vu dans le dernier trailer. On le voit d'ailleurs faire tapis à un certain moment. Il met toutes ces pièces euh, au centre de la table, et ça doit être le coup final quand il va gagner le Foucault Millennium. Très hâte de voir cette partie, ça risque d'être un moment assez... Ben le, un moment qui m'intéresse énormément dans ce film quand même. D'ailleurs, c'est ça, voir autant d'espèces, ça me fait extrêmement plaisir. J'avais beaucoup aimé Rogue One, mais c'était pas mal juste des humains. Et là, voir en fait qu'il y a plusieurs espèces présentes, ça, ça fait extrêmement plaisir aussi. Nouveau personnage ici, c'est le Cade qui va engager Han Solo et son équipe. Donc c'est lui qui les recrute. C'est pas l'ultime vilain, bien sûr, du film. Mais bien sûr, c'est un Cade. Donc ça, peut, ça ne peut pas être une bonne personne, à mon avis. D'ailleurs, son visage le prouve un peu. Et de toute façon, c'est ça le film. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que, au final. C'est un côté sombre de l'histoire de Star Wars. C'est des contrebandiers, c'est des caïds, c'est des, des vilains. Donc c'est vraiment, il faut garder ça en tête. C'est pas du tout la même histoire que son ce qu'on a déjà vu avec tous les beaux héros. Là, non. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et je pense que ça peut faire un, un concept intéressant dans, dans Star Wars. Mais comme j'ai dit, certaines personnes ne vont pas aimer, certaines personnes vont aimer. Voilà. D'ailleurs, ce personnage utilise des lames avec des lasers au bout qui font énormément penser aux lames. Que les gardes de Snoke ont donc est-ce que c'est une inspiration probablement en tout cas c'est quand même hyper badass de le voir l'utiliser sinon s'il y a bel et bien une autre scène qui m'intéresse beaucoup dans ce trailer c'est le mentor qui embrasse la DL-44 et qui le donne à Han Solo c'est probablement le moment où celui-ci euh, transmet la DL-44 à Han Solo pour la première fois donc oui Han Solo n'a on pas toujours eu la DL-44 d'après moi donc euh, scène aussi assez importante quand même, c'est quand même le blaster dans le solo durant toute son existence. Et ici si cet endroit, je pense que c'est l'endroit où il y a le bord, la cantina où ils vont rencontrer Lando, euh, un endroit montagneux parce que de toute façon plus tard on voit Lando justement avec un manteau d'hiver, donc ça fait du sens que ça soit bel et bien là qu'ils vont rencontrer Lando. Et ici je vous présente L3, le nouveau droïde de ce film, un droïde beaucoup plus agressif que les autres mais qui risque d'être une, une autre partie d'humour de ce film parce que bon, c'est en solo, il y aura clairement de l'humour, c'est en solo quoi, donc euh, voilà, faut, il faut s'y attendre. <laughs> autre scène que j'aime beaucoup de ce trailer, c'est la scène avec le train. Le train, euh, à l'extérieur dans les montagnes, une scène qui risque d'être remplie d'action et hyper... Hyper badass de 1, non seulement à cause de cette bataille sur le train, mais en plus à cause des soldats sur le par-dessus. Par quoi, C'est vraiment des skins que je veux dans Battlefront, s'il vous plaît. Ils sont hyper badass et ça serait hyper cool à avoir en jeu. Mais c'est pas la seule scène badass du film, selon moi, ça c'est clair. Il y a une autre scène, surtout avec euh, les combats du Faucon Millennium. Hein, ils seront beaucoup dans le Faucon Millennium, à mon avis. Mais surtout celle à la fin du trailer. Cette scène sera probablement hyper. Super cool. Et pour ceux qui ne savaient pas, Chewbacca à 190 ans, une autre scène d'humour, comme quoi que voilà, ça sera probablement un film très sombre aussi, mais avec de l'humour par-ci par-là parce que c'est en solo. Sinon, nouveau véhicule terrestre ici, trompez-moi si j'ai tort, on dirait un nouveau marcheur. Ensuite, Chewbacca avec un autre Wookiee. En train de faire une accolade, est-ce qu'il a une relation avec ce Wookiee spécial C'est une scène qui m'a donné le sourire, je dois avouer, probablement la scène qui m'a bien fait sourire. C'est quand même Chewbacca. Ça fait plaisir d'en découvrir plus euh, sur lui, d'avoir plus d'histoire avec lui. Parce que, bon, dans les derniers films, il n'a pas eu de grands, grands moments. Alors que là, c'est le moment d'en savoir plus sur lui, comment euh, il a été sauvé par Han Solo, etc. etc. Donc voilà, j'ai passé sur les moments qui, selon moi, étaient beaucoup plus importants que le reste. Le reste, je pense que vous l'avez compris par vous-même de toute façon, donc je ne vois pas pourquoi j'analyserais chaque petite image de ce trailer. Euh, si vous avez vu des choses vraiment, vraiment très, très, très précises et intéressantes, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour que les autres le voient, parce que, voilà, moi, je n'ai pas eu le, pris le temps de tout, tout bien analyser, mais euh, vraiment seulement ce qui me semblait important à mes yeux. Mais voilà, si vous voyez quelque chose d'autre, dites-le dans les commentaires. Et de toute façon, c'est ça. Le, le problème, c'est qu'on sait beaucoup de choses sur l'histoire de Han Solo. Quand j'ai vu la plupart des parties de ce trailer, ça m'a fait penser à cette histoire. Et, je... et pour ceux qui n'ont pas lu les livres de Han Solo, par exemple, je ne veux pas vous spoil certains aspects qui seront dévoilés dans ce film en lien à ceci. Donc voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, s'il y a d'autres trailers beaucoup plus gros, beaucoup plus précis, on les analysera en euh, plus en profondeur, bien sûr quand ils sortiront, sinon bien sûr on se retrouve en mai pour reparler de ce film qui, ma foi, est très partagé déjà parmi la communauté, donc on en reparlera, c'est clair à 100%, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous et comme toujours que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.